Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir, mon cher Bernard. Nous avons ici la chance d'avoir en face de nous un phénomène de littérature, un best-seller, un homme qui est lu à des millions d'exemplaires. Ce n'est pas si fréquent. Et évidemment, ça nous amène à nous demander ce qui fait que la rencontre a pu se produire entre une intelligence, une imagination, une personnalité et le grand nombre. Comment fait-on pour arriver à ce résultat-là et à susciter une pareille curiosité de la part des gens? Alors, j'ai ma petite idée. Vous allez me dire si je suis dans le sujet ou pas. Mais moi, quand je lis, sur une longue durée, les livres de Bernard Werber, on en est au 23e, je crois, aujourd'hui, avec les chats, j'observe qu'il y a trois choses qui me frappent. La première, c'est que dans le fond de ces livres, il y a l'inquiétude humaine devant les changements du monde, perceptibles ou imperceptibles. Mais en tout cas, ce qui traverse ces livres, me semble-t-il, ce sont les grandes peurs collectives. Le deuxième élément qui me frappe dans la lecture, c'est de dire que vous avez un parcours de scientifique, vous avez fait des études de criminologie, vous avez fait des études scientifiques, vous avez ensuite dirigé, vous étiez journaliste au Nouvel Observateur, puis ensuite dirigé la revue Eureka de la Cité des Sciences. Donc, vous avez repris un genre qui, en France, est mal porté, mais qui est très porté dans le milieu anglo-saxon, qui est le roman scientifique. Et de ce point de vue-là, si on y ajoute une dimension de science-fiction en plus, on a un cocktail et une originalité qui vous permet de prendre une place qui n'était tenue par personne dans le paysage, français, pour aller vite. Et la troisième observation que je ferai, c'est que vous avez une imagination incroyable. C'est-à-dire que la capacité de scénariser des fictions en mêlant à la fois les grandes peurs, vous disiez, et la matière scientifique qui leur donne une caution, une idée de véracité. On pourrait se dire, bon, attendez, cette histoire de chat avec des prises USB dans le crâne, mais ça marche. Je ne sais pas si la prise USB marche, mais ça marche parce que vous êtes un authentique écrivain, quoi, parce que vous arrivez à donner une crédibilité aux fictions qui font que les gens vous lisent et que vous avez autant de lecteurs et ce soir autant d'auditeurs. Alors, est-ce que cette présentation est juste ou est-ce que vous en récusez les termes? Voilà, ce sera ma première question. C'est juste. Il faut peut-être que je développe un peu. Ben oui, vaut mieux. C'est pas me laisser ramer tout seul. qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je fais un beau métier et j'espère que tous les gens qui sont là auront le plaisir de trouver un métier dans lequel ils ont un moyen d'expression, comme j'en ai un moi-même. Je crois que depuis que je suis enfant, j'ai envie de réfléchir sur le monde dans lequel je vis et sur le futur de l'humanité. L'élément que je vais recuser dans vos propos, c'est j'angoisse sur le futur. En fait, je n'angoisse pas sur le futur, je sais que ça va s'arranger. La seule chose, c'est je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment, et je ne sais pas si je vais y assister. Dans plusieurs de mes livres, j'utilise un terme, je dis on fait trois pas en avant et deux pas en arrière. Et je crois que c'est comme ça qu'avance l'humanité, mais au final, trois pas en avant et deux pas en arrière, ça fait au final un pas en avant. Et j'utilise souvent cette image dans mes romans de l'Empire romain, donc qui s'arrête en l'an 500. Et entre l'an 500 et l'an 1500, il va se passer qu'une période de barbarie dans laquelle on va essayer de digérer et de redécouvrir tout ce qu'avait le point où étaient arrivés les Romains. Donc on a perdu 1000 ans. Et en 1500 arrive la Renaissance. Donc les Grecs très très forts, les Romains un peu en dessous. Les Romains s'effondrent, monde barbare, obscurantisme jusqu'en 1500, de 500 en l'an 1500, et 1500, tout d'un coup, ça renaît. Tout le monde, on retrouve l'art, on retrouve la science, on s'arrête technologiquement, on reprend, la technologie s'était arrêtée en 500, on la reprend en 1500. Donc, si on regarde
C'est-à-dire, si on est en 499, on se dit, ouh là là, je sens que ça ne va pas s'arranger. Et entre-temps, il y a quoi? C'est le religieux. Entre-temps, d'abord, on a digéré les invasions. Il y a eu plein d'invasions. L'invasion du sud, l'invasion de l'est, il y a eu Attila, il y a eu Gengis Khan, il y a eu toutes sortes de... Il y a eu les épidémies, puisque vous voulez faut voir que 1300, la moitié de l'Europe est détruite par la peste noire. Donc, il y a eu des coups durs. Et je pense que quelqu'un qui était en 499, voyant s'effondrer l'Empire romain, devait se dire, ouh là là, je sens qu'on va vers des petits soucis, et je me demande si l'humanité ne va pas s'effondrer. Mais ça aurait été bien qu'on puisse lui dire, oui, on va s'effondrer un peu, mais il va apparaître autre chose qui va renaître, comme après un hiver, qui va renaître, il va y avoir un printemps, et c'est la Renaissance. Donc ça se peut que maintenant, parce qu'on a accéléré la montée, on a une sorte d'Empire romain qui est encore plus fort, puissant, encore plus moderne, mais qui a malgré tout un risque d'effondrement. C'est de ça dont je parle, notamment en Troisième Humanité. Mais ce n'est pas grave, après cet effondrement, il y aura toujours des petits génies, il y aura forcément des gens qui arriveront, après le chaos, à reconstruire encore mieux, encore plus fort, encore plus haut, mais en ayant en plus l'expérience de ce que peut entraîner la barbarie. Alors dit comme ça, en l'an 2016, ça peut sembler l'écrivain en train de nous dire que lui, il pense que tout va s'effondrer, mais je veux dire, ça s'effondre comme l'hiver, c'est-à-dire les arbres survivent, les feuilles tombent, mais après, il y a des bourgeons et il y a des fleurs. Donc, je suis fondamentalement un type optimiste. Et c'est à force d'étudier l'histoire, à force d'étudier la science et technologie, je me suis dit, il y a des sortes de respirations dans les espèces. Et ces respirations, il ne faut pas s'inquiéter quand on descend. Maintenant, il faut voir aussi une chose, c'est que notre histoire connue est une histoire relativement récente et moderne. L'homme, on va dire, est apparu il y a 3 millions d'années, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup d'années. L'agriculture, c'est moins 6 000 avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment récent. Et là, on commence à faire des trucs de sortir de l'angoisse de ne pas manger tous les jours et de mourir au coin de la rue. On commence à en sortir depuis 1900, on va dire. Et encore, on s'est tapé la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On a failli avoir la Troisième guerre atomique. Donc toutes ces choses-là, si on regarde avec le recul... c'est terrible, mais c'est, dans le temps, ça nous semble énorme, mais finalement, c'est une période réduite. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé à une sorte de phase où on doit muter pour aller encore plus loin. Maintenant, l'élément nouveau, c'est que les Romains, en s'effondrant, n'ont pas détruit la planète. Et nous, on tombe devant un... On peut détruire. On peut détruire la planète. Ce risque, même s'il est réduit, il existe et il est nouveau, parce que nous allons fabriquer des outils capables de... remettre en question tout ce qui a été construit par nos ancêtres. Alors, mais puisque, je trouve intéressant, au-delà du métier d'écrivain, comme vous dites, de science-fiction, d'offrir à mes lecteurs une perspective, de leur dire, regardez ce monde dans lequel on vous sert aux actualités, des réactions à chaud ultra rapides, on vous montre un attentat, on vous montre une guerre, on vous montre un accident, et vous êtes rempli d'émotions. En fait, il faut voir que ça prend sa source dans un passé très profond, et ça va aboutir à des tas de conséquences dans le futur que vous n'imaginez même pas. Donc, il faut avoir de la mémoire pour le passé, mais il faut avoir de l'imagination pour le futur. Et ce qu'on nous propose aux actualités, c'est juste réagir à chaud dans le présent. Et d'ailleurs, c'est un élément qui me semble très intéressant pour bâtir une nouvelle politique, c'est avoir une imagination, mais non pas sur 5 ans, pas avoir une imagination sur le court terme, mais avoir une imagination en regardant comment va être la société française dans 100 ans, dans 1000 ans. Comment sera l'humanité dans 1000 ans? Quelle planète laissons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants? Et dans Troisième Humanité, ce que je suis en train de dire, c'est que nous assistons à une mutation, à une métamorphose. Nous sommes en train de changer pour laisser apparaître un homme qui a plus d'informations, qui a plus de connaissances et qui, du coup, peut projeter son regard beaucoup plus loin dans le futur. Et de ce point de vue-là, puisqu'on parle de la Troisième Humanité, moi, ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que vous donnez la parole à la Terre. Oui. Voilà. Donc la Terre devient un personnage et tout d'un coup les événements qui nous submergent, que ce soit un tsunami, un tremblement de terre, on voit les désastres que ça fait en Italie, etc. C'est son mode d'expression. Tout d'un coup, voilà, vous lui donnez une conscience et Gaïa, la Terre, intervient dans les humains. Alors évidemment, on lit ça, on dit mais c'est de l'anthropomorphisme. Pour le scientifique que vous êtes, vous allez peut-être un peu loin. Alors, au tout début de Demain les chats, j'explique cette chose. Elle dit,
enfin, ma chatte dit tout ce qui vit a de tout ce qui vit a de l'intelligence, tout ce qui a de l'intelligence peut avoir de la conscience. Le fait que la Terre vive ne peut pas être mis en question. Notre planète respire, notre planète est protégée par une atmosphère, notre planète a une sorte de fourrure qui est ses forêts, elle a un univers aquatique qui bouge, rempli de vie. Notre planète est vivante. Et si vous avez un doute, regardez les autres planètes, Mars, la Lune, Vénus, Mercure, toutes ces planètes n'ont aucune vie, n'ont pas d'atmosphère. La Terre est très triste de découvrir ça. Hein, quand grâce au télescope, elle voit les autres... Personnage de Terre, surtout, ce qu'elle se dit, elle est très seule. Et ce qu'elle se dit, c'est mon rêve serait de rencontrer une autre entité de l'espace qui vienne me féconder. En fait, elle a envie d'amour. Mais c'est une pulsion qui traverse même les végétaux. Tout ce qui vit a envie d'être connecté à autre chose qui vienne le compléter. La peur de la solitude est peut-être un point commun de toutes les formes de conscience. Elle n'a connu que des impacts de météorites. Oui, ce qui est un premier... C'est une théorie qui existe réellement, qui s'appelle la panspermie, qui consiste à dire que la Terre est une ovule et qu'elle est fécondée par des spermatozoïdes qui seraient les météorites, qui sont porteurs d'acides aminés qui viennent la féconder. Cette théorie a un mérite, c'est qu'elle explique pourquoi il y a la vie sur Terre, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi il y a la vie sur Terre, et elle a un visuel qui nous rappelle évidemment les spermatozoïdes et les ovules. Mais vous savez, au fur et à mesure que j'ai écrit Troisième Humanité, je me suis dit, le vrai questionnement, la vraie problématique, c'est pas est-ce qu'il y a des extraterrestres en dehors de la Terre. Le vrai problème, c'est s'il n'y a pas d'extraterrestres en dehors de la Terre, ça veut dire que si nous détruisons cette planète, il n'y aura plus rien. Jamais. Nulle part. Il y a une possibilité qu'il n'y ait nulle part des extraterrestres et que nous soyons l'unique endroit dans tout l'univers où il y ait de la vie et où il y ait de la conscience. Donc ce que nous avons ici est beaucoup plus précieux encore qu'on le croit. C'est unique dans l'univers qui est immense, 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 immense. Et l'homme se planque toujours dans l'idée, si nous échouons, c'est pas grave, ailleurs peut-être une autre espèce réussira. Mais non, il n'y a peut-être pas d'autre espèce. Nous sommes les seuls à vivre l'expérience de la vie, de l'intelligence et de la conscience. Et je voudrais aller un petit peu plus loin dans cette troisième humanité, puisqu'on est parti là-dessus. Au fond, quand vous avez posé vos personnages en tant que romancier, quand vous vous êtes dit, la Terre, je vais lui donner une conscience, je vais la faire parler, et puis j'ai des bons hommes, des savants qui s'agitent autour et qui veulent en savoir davantage. Évidemment, c'est Wells que vous évoquez, et quand on sait ce qu'il y a derrière le nom de Wells, on comprend un petit peu pour où vous voulez aller. Et comment on arrive à cette idée, comment vous est venue cette idée de vouloir faire une sorte d'endoscopie dans la Terre, que les hommes ont travaillé avec des mines, etc. Mais tout d'un coup, chez vous, c'est beaucoup plus virgineux, et si je peux dire, organique. Endoscopie. Ce qui m'intéressait, c'était que nous communiquions avec la planète. Je suis parti de l'hypothèse qu'il y a jadis eu une humanité, celle qui a bâti les pyramides, celle qu'on a vaguement imaginée dans l'Atlantide, mais qui expliquerait tous les monuments qu'il y a sur la Terre, qui sont trop grands pour qu'on puisse expliquer comment ils ont été construits. J'ai imaginé que cette humanité était connectée à la planète, que nous avons perdu ce rapport à Gaïa, la planète mère, et que maintenant nous allons peut-être réinventer une nouvelle humanité qui sera elle aussi connectée à la planète mère. J'aime bien cette image pour comprendre exactement ce qui se passe. Il faudrait imaginer un chien qui a des puces. Quand il a un peu de puces, il se gratte un peu. Les puces, elles, pour elles, le chien, c'est la source de sang, c'est la source de nourriture. La puce vit dans ses poils. Elle ne se dit pas, est-ce que le chien va bien ? Pourtant, c'est le support qui la nourrit, comme nous sommes les parasites de notre planète. Mais si le support meurt, le parasite meurt. Et quand le chien a trop de puces, avec la patte, il se gratte. Et quand il se gratte, il n'a rien contre les puces. C'est juste qu'il y a une démangeaison qui est causée par l'excès en nombre de puces. La Terre, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a des séismes, qu'il y a un tsunami, c'est peut-être aussi qu'elle se dit, OK, avant, quand il y avait 1 milliard d'humains, ça va, c'était supportable. Mais maintenant, quand il y a bientôt 10 milliards d'humains et que ces 10 milliards d'humains me prennent de plus en plus de pétrole, qui est son sang noir, peut-être que au final, il faudrait que je me secoue, que je m'ébroue un peu pour leur dire de me lâcher la grappe. On va dire ça comme ça. Et il y avait cette idée derrière Troisième Humanité, c'est nous devons rediscuter avec Gaïa Maman,
la planète pour renégocier notre emplacement, lui dire d'abord qu'on a pris conscience qu'elle existait, nous dire qu'on la remercie pour tout ce qu'elle nous a donné, parce qu'après tout, l'agriculture, c'est quand même, c'est juste, on a organisé les cadeaux que nous fait la Terre, les animaux autour, c'est quand même des cadeaux aussi, donc lui dire merci, et puis lui dire, trouvons un moyen pour ne pas nous gêner mutuellement. Et ça sous-entend un concept qui, politiquement, est très incorrect, et je crois être le seul à le défendre, un contrôle des naissances. Toutes les espèces s'auto-contrôlent, c'est-à-dire que même les végétaux, quand il n'y a plus de terre pour développer les racines, ils réduisent leur taille, ils réduisent leur nombre. Les lapins, qui pourtant sont connus pour se reproduire à grand niveau, quand il n'y a plus assez de territoire et plus assez de nourriture, ils arrêtent de faire des enfants. L'homme est le seul qui, pour des raisons culturelles, fait de plus en plus d'enfants, et plus il y a des problèmes, plus ils font d'enfants. Donc on arrive à un moment, une aberration, c'est qu'on va épuiser la planète, on va épuiser l'air, on va épuiser l'eau, on va s'entretuer entre nous par des guerres, parce qu'on n'aurait pas su être raisonnable, on n'a pas besoin de faire 10 gosses, c'est très difficile à éduquer, c'est très difficile à nourrir, c'est très difficile à leur fournir un confort. Moi, je considère que chaque être humain qui naît a le droit d'être aimé, a le droit d'être éduqué, a le droit d'avoir une maison, a le droit de vivre, mais par contre, si on en fait trop, on ne pourra plus offrir ce confort à tout le monde. Donc, il faudrait une pensée... Il faudrait que les hommes se calment au point de vue progression et croissance, qu'on renonce à cette sempiternelle idée que toujours plus de consommation, toujours plus d'argent, toujours plus d'enfants, et qu'on se calme et qu'on réfléchisse, ok, si on veut laisser une planète viable à nos enfants, est-ce qu'on n'a pas intérêt à repenser ça et trouver un équilibre, une harmonie, plutôt qu'une recherche de croissance ? Alors, c'est le grand avantage du métier de romancier, c'est que cette idée, je peux la faire dire par des personnages, et après, il y adhère les lecteurs qui trouvent que ça leur semble raisonnable. Alors qu'en tant que politicien, si je disais ça, je me ferais huer tout de suite. Ah, quoi ? Malthusianisme. Voilà, on me reprocherait de vouloir contrôler la sexualité ou la vie des gens. Et tout. Alors que tous les animaux le font. Nous sommes le seul qui considère que le droit de faire des enfants en multitude fait partie de notre prérogative d'espèce. Vous qui êtes scientifique, est-ce que vous connaissez cette expression donc botanique qu'on appelle la timidité des cimes? Non, non, allez-y, je vous écoute. Alors, c'est le phénomène dont vous parlez, hein, mais appliqué à l'espace végétal, règne végétal. Lorsque les grands arbres poussent de concert dans une forêt, il y a un moment où, ayant atteint une taille considérable et menaçant de mélanger leurs branches avec les autres, ils s'arrêtent de pousser et laissent entre eux environ un mètre de séparation, et on appelle ça la timidité des cimes, et les botanistes disent c'est pour éviter que les maladies de l'un aillent à l'autre, mais aussi ça peut être une autorégulation du règne végétal. Oui. Donc je pensais à ça. Mais toutes les espèces s'autorégulent. J'allais dire, il y a le seul élément qui ne s'autorégule pas, c'est le cancer. Les cellules cancéreuses sont en croissance continue jusqu'à ce qu'elles tuent l'hôte. C'est le seul endroit. Alors il ne faut pas que nous nous transformions, que notre espèce se transforme en cancer de la planète. Voilà. Mais ce discours, je suis conscient que pour l'instant, moi je le vois nulle part sur Internet, je suis conscient qu'il est un peu nouveau et qu'il peut un peu surprendre. Maintenant, il a existé au 19e siècle. Oui, hein. Mais il faudrait se projeter dans 500 ans ou dans 600 ans et regarder comment les gens de l'époque nous regarderont à nous quand ils diront nos ancêtres, les humains. Nos ancêtres, les prédateurs. Nos ancêtres, les égoïstes. Ceux qui disaient, on a le droit de consommer, on a le droit de manger, on a le droit de faire vroom vroom avec la voiture, et on a le droit de prendre des avions et d'aller où on veut, et de détruire la couche atmosphérique. On a le droit de passer avec des scooters des mers partout, parce que c'est notre liberté, et parce qu'on aime les diesels parce que c'est moins cher, et qu'on aime consommer et jeter tout parce que ça fait tourner le commerce. Et toutes ces choses-là, ça me semble juste une vue sur le court terme. Voilà. Et ce que j'attendrais, ce que j'aimerais entendre de la part de politiciens, c'est quelqu'un qui nous dise, ok, au-delà de mon quinquennat, je vais poser des éléments qui vont donner des résultats beaucoup plus tard, qui vont permettre d'agir en continu et non pas qui vont rassurer tout le monde très très vite. Pardon, parce que à l'échelle du monde, une décision française pèserait pas bien lourd. Enfin, 60 millions d'habitants avec les milliards de Chinois et de. Non, c'est pas aussi simple. Il y a un monsieur qui s'appelle Napoléon qui, à un moment, a lancé la notion de nation. Et on est encore dedans. Et c'est un bonhomme. C'est-à-dire, il y a eu
un, la destruction des monarchies. Deux, il y a eu Robespierre, une zone de chaos dans laquelle tout le monde est de violence, qui suit les périodes de fin de système. Et après, ben, Napoléon arrive et il conçoit, on n'est plus dans les royaumes, on est dans les nations. Et là, ce qu'on assiste, c'est des chocs de nationalisme. C'est des guerres de nationalisme. Et c'est un bonhomme qui a lancé une idée. De même que le communisme, c'est un bonhomme qui a lancé une idée. Et si on regarde bien, un seul type qui lance une idée, le temps, ça met parfois beaucoup de temps pour être digéré, mais ça peut avoir un effet sur le long terme. D'ailleurs, Jésus-Christ, après tout, c'est un milliard maintenant. Je ne sais pas combien de personnes sont converties au christianisme, mais en tout cas, c'est un bonhomme qui, à un moment, a lancé des phrases, a lancé une idée, et ça continue de vivre, parce que ces phrases avaient une vision avant-gardiste qui, au fur et à mesure que le temps découlait, prenait leur sens. Donc, oui. Ça vaut le coup, tous, de nous autoriser, de lancer des idées, et après, il y aura un écosystème des idées. Elles se combattent entre elles, et celles qui doivent surnager, surnagent. Alors, en vous écoutant, je me dis, bah, attends, je pourrais vous objecter quand même que derrière Napoléon, il y a toute la maturation de la philosophie allemande sur l'idée de nation, que ce n'est pas arrivé tout seul. Il y a un terreau. De même pour Marx. De même pour Jésus-Christ. Mais donc, c'est le privilège du romancier de se dire, mais moi, je peux être précisément ce Napoléon des lettres. Enfin, je peux être ce créateur qui va lancer la chose. Est-ce que c'est ça qui est dans votre esprit ? Pas du tout. D'abord, moi, je ne suis que romancier, je n'ai aucune ambition. Je disais juste l'idée, par contre, d'harmonie et de contrôle de notre consommation et de lutte contre le gaspillage. Tout ça, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai sorti. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui serait bien, c'est de montrer ce que je peux faire dans les romans, comment elles s'appliquent. C'est-à-dire, si on vous dit, ça serait bien de ne pas jeter vos affaires dans les poubelles, il faut les mettre bien. Si on vous dit, c'est bien de ne pas acheter de diesel. Si on vous dit, vous tous, vous voyez pas l'impact. Nous tous, on ne voit pas l'impact. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on a à foutre, je jette ce petit papier dans la nature. C'est un papier, il y a plein de gens qui polluent dans le monde entier. Il y a les Chinois qui polluent. Ma petite pile voilà. Alcaline. Et l'avantage du roman, c'est qu'il peut montrer en mise en scène le principe, ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon, c'est très peu de choses peuvent avoir beaucoup d'effets. Donc, votre petit papier de plastique jeté à un moment peut créer à un moment une bascule parce qu'on était à la limite et ça peut avoir des conséquences énormes. Donc, alors, je vais développer un peu le système. Avant, on avait un système, tout ce qui se passe, c'est la faute de Dieu. Donc, c'était vachement confortable. Il y a de l'orage, c'est Dieu. Il y a un machin qui meurt d'une maladie, c'est Dieu. Donc, on n'est pas responsable. Deuxième élément, c'est l'économie. Tout ce qui se passe, c'est les capitalistes qui sont des gros méchants égoïstes qui s'envoient de l'argent parce qu'ils ne pensent pas aux autres. Donc, c'est l'économie. Nous, on est de simples citoyens. On subit l'économie mondiale. Et maintenant arrive cette troisième idée qui me semble plus moderne. Je dirais l'effet quantique, à savoir, non, tout ce qui se passe, vous êtes vous responsable parce qu'il y a l'effet papillon. Et l'effet papillon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un phénomène de quantique qui dit que quand un battement de papillon a lieu à Hawaï, ça déclenche un tsunami au Japon, parce que le petit battement, minuscule, va entraîner un effet de boule de neige qui va aboutir à des changements, et le tsunami peut changer le monde. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que j'écris des romans pour changer les mentalités de mes lecteurs, qui eux-mêmes vont agir. Moi, je ne me prends surtout pas pour Napoléon, je ne me prends pour rien du tout. Je me prends pour un simple être humain qui réfléchit comme tous les gens qui sont là. Par contre, si je peux inspirer d'autres personnes qui vont agir sur d'autres personnes et que mes idées peuvent avoir un effet contagieux, ça me semble intéressant. Mais mon idée principale, ce que j'ai à proposer comme nouveauté, c'est cette notion d'harmonie qui remplace la notion de croissance. Je me rappelle, quand j'étais jeune, l'école nous disait « débrouillez-vous pour gagner toujours plus d'argent ». Débrouillez-vous pour avoir la plus belle voiture, débrouillez-vous pour avoir la plus belle villa, débrouillez-vous pour avoir beaucoup d'enfants, débrouillez-vous pour consommer beaucoup. D'ailleurs, on vous sort cet indice de croissance, on vous dit, regardez, le pays va bien, la croissance augmente. Pour moi, quand j'entends la croissance augmente, je me dis, bon, il y a de plus en plus de tas d'ordures qui vont s'accumuler, il y a de plus en plus de pollution, et tout ça parce que ça n'a pas été pensé avant. Et maintenant, il serait temps qu'on s'arrête, on se calme, on regarde les conséquences de nos actes, et on réfléchit à laisser une planète viable pour nos enfants, et une planète viable pour nous, déjà. Mais ces idées-là, je ne les vois pas dans le débat politique, où que ce soit dans le monde. Et le grand avantage de
du roman, c'est de pouvoir les sortir. Mais alors, j'ai quand même aussi précisé, parce qu'évidemment, je ne me sens pas non plus l'unique inventeur de ça, mais c'est le genre d'idées qui me sont arrivées en lisant notamment de Pierre Boulle La planète des singes. Moi, pour moi, La planète des singes, tous les romans de science-fiction que j'ai lus m'ont bouleversé. Je me suis dit, mais ce n'est pas juste une petite histoire dans le futur. Ce qu'il est en train de nous raconter, c'est si vous déconnez encore, vous allez avoir un problème d'espèce. Et à ce moment-là, l'espèce secondaire, qui est en l'occurrence les chimpanzés ou les singes, peuvent prendre le relais. Et dans Demain les chats, j'ai imaginé que ce soit les chats qui prennent le relais au lieu des singes. On va parler de ça. Mais auparavant, une question qui nous ramène aux chats, mais qui nous ramène aussi aux fourmis. Est-ce que vous pensez toujours qu'une des issues probables, où ça reste un scénario de romancier imaginaire, est-ce que vous pensez que réellement la réduction de taille des espèces, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, dans le cas de la multiplication des vivants, au lieu d'entraîner la mort de certaines espèces, peut aussi arriver à ce scénario où les espèces vont cohabiter, mais dans une espèce d'immense fourmilière, en ayant réduit leur taille, etc. Il y a beaucoup de questions là. Non, je vais juste répondre déjà à la première. Est-ce que la réduction de taille peut être l'évolution? On va dire ça comme ça. Alors, c'est très simple. On a connu... Bon, là, on va resituer l'histoire. L'univers a 15 milliards d'années, chiffre numéro 1. La Terre a 4,5 milliards d'années, chiffre numéro 2. Après, il y a eu, entre 4,5 milliards d'années et de nos jours, 5 grandes extinctions d'espèces. C'est-à-dire, il y a 5 moments où tous les animaux ont été touchés, et en gros, il y a 90% des animaux qui sont morts, et des végétaux, et 10% qui ont survécu. Alors, je suis juste allé regarder sur Internet quel était le point commun de ceux qui ont survécu. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils avaient 3 points communs. Le premier, c'est plus féminin. Le deuxième, c'est plus sociable. Et le troisième, c'est plus petit. C'est pour ça que les dinosaures ont disparu et on a quand même des lézards. C'est pour ça que les mammouths ont disparu et on a quand même des éléphants. C'est pour ça qu'il y avait des libellules qui faisaient 2 mètres d'envergure et maintenant on a des petites libellules. Il semble que le sens de l'évolution, ça soit la réduction de taille. Pourquoi ? Parce que pour la Terre, des êtres plus petits sont plus faciles à gérer que des êtres grands. Et alors que notre espèce actuellement humaine grandit de taille tout simplement parce que les enfants prennent plus de produits laitiers et mangent plus de yaourt. Les Japonais, par exemple, ont grandi parce qu'ils n'avaient pas de produits laitiers dans leur enfance. Et maintenant, ils en ont. Donc, tous les humains deviennent de plus en plus grands. C'est juste un épiphénomène. Mais si la pollution continue d'avancer, on va être plus petit. Et on s'aperçoit, par exemple, que les océans, qui sont de plus en plus acides, produisent des poissons de plus en plus petits. Donc, il y a déjà un impact de notre consommation humaine sur l'ensemble de la vie qui va vers la réduction de taille. D'ailleurs, à un moment, les poissonniers ne comprenaient pas pourquoi les poissons étaient de plus en plus petits. Ils pensaient qu'ils étaient adaptés aux mailles des filets. C'est possible aussi. Mais ça montre en tout cas que l'ensemble des poissons sont très réactifs par rapport à notre activité. Et la féminisation, alors ? Alors, plus féminin, plus sociable, plus petit. Alors, la féminisation, ça vient d'une observation simple. C'est que, ben, je cite l'exemple, il y a un lézard qui, lorsqu'il est aspiré dans les typhons dans les îles du Pacifique, quand c'est un mâle, il arrive sur des îles où il n'y a pas d'autres lézards, donc il meurt. Et si c'est une femelle, elle va muter et elle va se mettre à pondre sans mâle. Et elle va pondre des petits qui vont être différenciés. C'est-à-dire que ce n'est pas des clones, ce n'est pas de la parthénogénèse, ce n'est pas des petits bouts d'elle-même. Elle a muté pour pouvoir donner naissance à des enfants au point où un seul lézard femelle qui aboutit sur l'île va arriver à quelques années plus tard à remplir l'île de milliers de lézards. Donc il semble que la nature, quand elle est vraiment coincée... Et qu'elles se reproduisent mâles et femelles dans ce cas-là. Non, c'est que des femelles. Mais c'est que des femelles qui sont capables de se reproduire toutes seules avec un brassage génétique. Je donne le nom du lézard, mais c'est un choix que fait la nature. On s'est aperçu aussi qu'il y avait un requin qui était dans un aquarium à poissons en Arabie Saoudite. C'est une femelle, elle était toute seule, et un jour elle a accouché, alors qu'elle était là depuis plusieurs années. Donc c'est-à-dire, c'est comme si la nature, à un moment, quand vraiment elle n'arrive plus à avancer, eh ben, elle utilise les femelles pour pondre des femelles capable
de se reproduire. Bon, parthénogenèse, c'est l'ancien terme, c'est une part de soi qu'on, c'est quand même une part de soi qu'on reproduit. Et peut-on toujours dire qu'il s'agit de femelles dans ce cas-là ? C'est ma question. Si, est-ce que c'est pas des êtres androgynes ? Enfin, si, parce que voilà. La réaction de féminisation est une réaction aussi. Par exemple, on s'est aperçu que les rats dans le métro de New York, vu qu'il y a beaucoup de pollution et ils vivent dans les égouts, sont en train de s'ultra-féminiser. C'est-à-dire que la féminisation est la réponse qu'a une espèce par rapport à une agression globale. Donc, de toute façon, si nous étions lâchés à nous-mêmes sans l'élément culturel, nous nous féminiserions de plus en plus. Il y a une raison aussi pour ça. Je sais pas, bon, ça va si je ne suis pas trop technique là ? Non ? Je vais vous donner d'ailleurs le secret si vous voulez avoir des filles. Je ne sais pas comment on peut avoir des garçons, mais je peux vous expliquer comment on peut avoir des filles. Plus vous rapprochez de la période d'ovulation, plus vous approchez d'une chance sur deux d'avoir une fille ou un garçon. Enfin, vous connaissiez peut-être déjà ça. Mais quand vous êtes un peu avant l'ovulation et un peu après l'ovulation, c'est beaucoup plus de chances d'avoir des filles. Pourquoi ? Parce que les spermatozoïdes transportant les caractères féminins sont plus débrouillards pour l'alpinisme à l'intérieur du système que ceux qui transportent le caractère masculin. C'est pour ça que longtemps, on a vu le nombre de femmes augmenter chez les êtres humains, jusqu'à ce que la médecine amène deux choses, les échographies et les avortements, qui font que, notamment dans deux grands pays, la Chine et l'Inde, dans lesquels ils veulent privilégier les garçons, les femmes se font faire des échographies, et quand c'est une fille, ils avortent. Et ce comportement, entre parenthèses débile, est tellement répandu qu'actuellement, il y a de plus en plus d'hommes sur Terre et de moins en moins de femmes contre la nature qui, elle, voudrait qu'il y ait de plus en plus de femmes et de moins en moins d'hommes. Donc, ces choses-là, personne n'en parle parce que, quelque part, on se dit, bon, ben, et alors, ça change quoi ? Ben, sachant quand même qu'il y a des villes en Chine où il n'y a pas une seule femme et ils sont obligés d'importer des femmes d'autres endroits un peu moins réac pour arriver à faire féconder leur mâle. Mais tout ça, c'est au nom de trucs de tradition à la con, de retraite, parce que dans les mariages, il faut amener une dot. On a eu ça aussi, nous, dans nos périodes. Il y avait la dot, et après, la fille travaille pour le mec qui, lui, travaille pour ses parents. Donc, quand vous êtes parent, si vous avez un garçon, vous avez une sorte de garantie pour la retraite, parce que vous allez bénéficier du travail de votre fils plus du travail de votre belle-fille. Mais quand vous avez une fille, bah, vous avez tout perdu. Et en plus, vous devez donner de l'argent pour vous en débarrasser. Donc, souvent, elle se fait vitrioler s'il n'y a pas une aide. Et pareil en Inde. Il y a encore ça en Afrique, il y a encore ça en Moyen-Orient. Bon, il y a un moment, il va falloir quand même sortir du Moyen-Âge et se dire, OK, on peut créer une égalité homme-femme sans que ça soit... Mais je crois qu'il y a une peur de beaucoup d'hommes, et pourtant je suis un homme, et des femmes, et de la puissance des femmes. Et donc, du coup, il y a tout un système à la con que les femmes n'arrivent pas à remettre en question. Et du coup, je trouve que c'est un déséquilibre total de notre espèce. Changeons de sujet. Revenons au chat, puisque c'est l'objet de votre dernier livre, et qu'il nous reste à peu près 10 minutes pour en traiter. On a fait la pollution, on a fait le féminisme, tous les sujets interdits. Pour quelqu'un qui a fait 23 livres, il y en a des sujets à aborder. Hein. Donc, les chats. Les chats, dans votre livre sur les chats, enfin, Demain les chats, il y a encore une odyssée, enfin, une histoire formidable qui se déroule. Mais je veux commencer par une question toute bête, quoi. Est-ce que, comme beaucoup d'écrivains, pensez à Michel Tournier, par exemple, des gens comme ça, vous vivez avec des chats ? J'ai eu 3 chats, et après avoir écrit le livre, je me suis dit que ma chatte, donc qui s'appelle Domino, serait plus heureuse à la campagne. Donc je l'ai donnée à des amis qui ont une campagne dans laquelle il y a beaucoup de chats, et il y a un énorme terrain de jeu, parce que je crois qu'un chat en appartement, malgré tout, c'est en écrivant le livre, je me suis rendu compte, un chat en appartement, il n'est pas dans son élément. Je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je trouve que vous les observez très bien et que vous montrez très bien que le chat n'appartient jamais à l'homme, n'est jamais domestiqué par l'homme, mais qu'il consent parfois à cohabiter dans les mêmes espaces. La première ligne, parce que ça résume tout, elle n'est pas de moi. Hein. Le chien pense, les hommes me nourrissent, me protègent même, ils doivent être des dieux. Le chat pense, les hommes me nourrissent, me protègent même, je dois être leur dieu. Ça résume toute la problématique et c'est en ça que le chat est intéressant. C'est qu'il n'arrive pas à être impressionné par nous. Et il y a plusieurs raisons qu'on va découvrir dans le livre. L'une des raisons, c'est qu'il capte beaucoup plus de sons. Vous avez vu, ils ont les oreilles orientables. Nous, moi, j'ai beaucoup de mal à les bouger. J'arrive même pas à faire le petit truc. Je suis le toujours admiratif. Aussi, hein. Oui, mais il voit dans le noir. Le chat voit dans le noir.
et il a des vibrilles qui lui permettent de percevoir toutes les ondes autour. Nous n'avons pas encore ça. Ce que je raconte aussi dans le bouquin, et qui est une recherche très récente, le chat, par le ronronnement, a la possibilité de calmer, d'apaiser son entourage, mais aussi de ressouder les os. Il a donc un ronronnement entre 15 et 200 Hz, et entre 15 et 200 Hz, ce petit... Eh bien, en fait, ça nous fait du bien à nous. Vous revenez d'une journée de travail, il y a un chat qui ronronne, quelque part, votre chef vous semble un peu plus sympathique. Allez comprendre pourquoi. Qui c'est qui a des chats ici? Ah ouais. Je vous regarde tous. Une mère de qui c'est qui a des chiens? Il y en a quand même, oui. Qui c'est qui a un autre animal que je n'ai pas cité? C'est quoi? Des rats. Ils jouent bien avec les chats, hein, des fois, mais pas longtemps. Et vous avez quoi, monsieur, là, qui continue de tendre le bras? Une tortue. Elle est affectueuse? Le regard de la tortue, je ne me suis pas encore intéressé à cet animal, mais je n'arrive pas à y lire vraiment un truc. Écoutez, je n'ai peut-être pas regardé assez. Les grandes tortues, les tortues centenaires ou tricentenaires, elles adorent qu'on leur gratte le cou. Ah oui, oui. Quand j'étais petit, j'avais les tortues de Floride. Oui. Qui c'est qui a les tortues de Floride? Vous savez, le truc dont on ne sait pas comment se débarrasser, qui mange des vers. Personne n'a eu ça. Alors, c'est peut-être un truc de génération. Nous, tous les gosses, on avait ce truc. Et il fallait leur donner des vers vivants. Je me disais, bon, du point de vue du ver, il faudrait lui expliquer quand même qu'il ne sert qu'à nourrir les tortues. Mais le chat a un avantage. C'est, il a un regard qui a l'air de nous comprendre. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai choisi ce chat-là, précisément. Mon éditeur voulait faire un chat qui fasse peur. J'ai dit, oula, surtout pas. L'héroïne, la gentille, est une chatte qui raconte l'histoire. Et elle est bienveillante par rapport aux hommes. Elle se dit juste comment les aider. Et je crois qu'il y a des chats gentils, il y a des chats méchants, en fait, comme chez les êtres humains. Mais il y a des chats profonds. Quand vous les regardez, vous dites, on dirait qu'il veut communiquer avec moi. On dirait qu'il y a quelque chose à me dire. Voilà, c'est à partir de ça que j'ai fait un peu le roman. Alors que le chien, quand vous regardez le chien, vous sentez que de l'amour. Alors, pour ceux qui ont besoin d'amour, mieux vaut un chien qu'un chat. Mais pour ceux qui veulent un échange un peu plus intense, je crois qu'un chat, c'est du mystère. Et en même temps, le chat va vous choisir. C'est-à-dire qu'un chat, il peut se retrouver coincé dans un appartement, votre gueule ne lui revient pas, ce n'est pas parce que vous êtes censé être son maître qu'il va vous aimer. Et donc, du coup, son amour se mérite. Et je trouve ça, de manière romanesque, intéressant. Un animal qui n'est pas gagné, un animal qui est indépendant, et un animal, en plus, qui a l'air d'avoir pigé des choses qu'on n'a pas pigées. Et pour l'économie du roman, je me suis posé une question. Des chats appareillés en laboratoire, est-ce que vous en avez vu? Oui. Alors, dans le roman, donc, ma chatte, qui s'appelle Bastet, rencontre Pythagore, qui est un chat qui a une clé USB au front, parce qu'on a fait des expériences sur lui, dans le laboratoire. Alors moi, j'ai vu des chats, non pas avec des clés USB, mais avec des broches scientifiques qui ont servi notamment pour les recherches sur les rêves de mon précédent livre, Le sixième sommeil. Et on utilise les chats parce qu'en fait, le chat vit la moitié de sa journée à dormir. Nous vivons un tiers de notre journée. Nous avons en moyenne, en France, 8 heures de sommeil par jour. Un chat a 12 heures de sommeil par jour. Et en plus, l'élément qui fait que normalement il n'a rien à voir avec l'être humain, c'est que tout est conçu pour qu'il soit actif la nuit. C'est un animal nocturne, complètement nocturne. Dès le moment où vous prenez un chat et vous l'installez chez vous, vous espérez qu'il va vous amuser toute la journée, en fait, vous le faites chier. Il a envie de dormir toute la journée. Et tous les gens qui se disent « Ah, le mien, il n'arrête pas de roupiller », mais ça, c'est la normalité. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il court partout toute la journée, parce qu'il est complètement décalé. D'ailleurs, si vous avez un doute sur le fait que les chats sont faits pour la vivre la nuit, ils ont des yeux qui voient dans le noir. Donc, ils ont des yeux qui captent beaucoup plus de photons que nous. Ils sont adaptés à la vie dans le noir. De même que le fait qu'ils aient des moustaches qui perçoivent les ondes, c'est pour pouvoir percevoir les mouvements de leur proie dans le noir. Tout est adapté à un monde nocturne.
Et donc tout ça pour dire que je ne sais plus quoi. Oui, bon, ben, très bien. Je pars chaque fois. Mais la question que je me posais, c'était, puisque vous mettez ces deux chats en rapport, un chat de laboratoire en quelque sorte, un chat civilisé ou mutant peut-être vers l'avenir, ah oui, et, voilà, puis un, que... et puis un chat... Donc il dort beaucoup. Voilà. Si, ce que je voulais dire, maintenant ça me revient, c'est que non seulement il dort beaucoup plus, mais il rêve énormément. C'est l'animal qui rêve le plus. Voilà, fin de parenthèse. C'est bien, qui ? C'est l'animal qui rêve le plus. Oui. Et on le sait parce que quand ils sont dans les rêves du sommeil paradoxal, il y a les yeux qui bougent sous la paupière. Vous avez, ceux qui ont des chats ont peut-être observé ça. Et en fait, ils revivent des histoires, dans, en général des poursuites. Ils vous revoient, ou ils voient des souris, ou ils voient des trucs du monde du chat, des oiseaux. Mais ils ont des périodes de sommeil paradoxal qui sont beaucoup plus longue que nous. Or, il s'avère que le sommeil paradoxal est le plus intéressant du sommeil, puisque c'est celui non seulement où on se ressource, mais c'est celui où on développe notre imaginaire. Voilà. Donc, le chat a un imaginaire et une capacité à se ressourcer par le sommeil qui est bien plus intéressante que la nôtre. Alors maintenant, ce n'est pas une question que je voulais vous poser, mais vous donner un témoignage de lecteur et dire, mais finalement, votre grand talent, c'est d'arriver à nous faire croire à ces histoires de chats, un petit peu de très loin, mais enfin un petit peu comme La Fontaine nous faisait croire que ces histoires d'animaux, finalement, on pouvait les écouter, la belette et le petit lapin. On pensait bien que c'était des personnages humains, mais c'est un peu le même ressort. Et je ne sais pas comment vous faites, mais la fiction que vous construisez fait qu'au bout d'un moment, on ne se pose plus la question de savoir si on a affaire à un chat ou un être humain. Quoi. Alors d'abord, je mets un petit bémol, c'est que toutes les informations que je donne sur les chats sont vraies. Il n'y a pas un seul truc de délire. Le seul élément à prendre, à accepter, romanesque, c'est que c'est le chat qui raconte l'histoire. Donc on a accès à la pensée du chat. C'est ça. Maintenant, ce que je raconte, par exemple, que les chats peuvent monter aux arbres mais ne peuvent pas descendre. Ils sont obligés de sauter, ce qui est une problématique d'espèce. Ceux qui ont des chats se sont aperçus, là. Ils savent monter, il y a un bug. Ils savent monter, mais pour descendre, ils sautent. Mais s'ils montent trop haut, voilà. Donc tous ces petits détails. Pour ça, quand il passe sur le balcon, il se tue. Oui. Et moi, mon chat, il faisait exprès de se mettre sur le balcon à une hauteur où il allait mourir, et il me regardait dans le style. Tu vois, j'arrive à créer une émotion au moment où je le veux, quand je le veux. Et j'ai mis sur Facebook, j'ai mis le petit film où on voit mon chat. C'est vraiment du foutage de gueule. C'est-à-dire, il est juste pour me voir la réaction que je vais avoir de peur quand il marche sur le balcon. Et il me regardait, il regardait que je l'observais bien. Puis là, il se penchait, on va dire le vide est de ce côté. Là. Puis il me regarde, il fait « Ah, tu me regardes ?» Mais regarde, hop, je vais choper un petit moucheron qui est dans le vide là. Oh, j'ai failli tomber. Il faisait comme ça. Il me disait ça tous les jours. Il y a bien un jour, il va glisser ce con. Mais attends. Tous les jours, il me faisait le truc. Moi, je marche à la rambarde pour voir comme oui. Je suis capable de te créer de la peur. Petit couillon d'être humain. Moi, je crois que ce chat savait que vous étiez romancier. Oh. Parce que chaque fois que j'écrivais, il venait piétiner mon clavier. Alors, au bout d'un moment, je vais travailler au café pour ne pas qu'il me piétine. Mais à se demander s'il n'a pas tapé sur les notes. Une partie du roman a été écrite directement par le chat, c'est sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on s'ennuie. Avec un chat, s'il n'est pas gros et s'il n'est pas devant la télé, on ne s'ennuie pas avec un chat. À 18h, le mien, il avait son quart d'heure de folie, il courait partout, il détruisait tout. Un concept. J'ai jamais compris pourquoi il fait ça, mais par contre, je suis allé voir sur Internet et ça a l'air un truc d'espèce. 18h, ils ont envie de tout casser. Bon, bah, à nous de nous virer tous les éléments. Il y en a qui ont vécu cette situation-là. Tout le temps. Oui. Bon, je vois des mains qui se lèvent. C'était son quart d'heure de folie. Oui, mais non, mais l'animal lui-même, peut-être que après tout, alors voilà, je me contredis par rapport à ce que j'ai dit avant. Peut-être que c'est un extraterrestre, une espèce extraterrestre qui a débarqué sur Terre et qui nous observe. Et nous, on croit que c'est un animal familier. Et puis, en fait... Et depuis qu'il a lu le roman, est-ce qu'il rêve? Il rêve Verbère? Voilà. Oh, ben... On peut la placer que là, donc c'est fait, oui. Maintenant. Ben, j'étais sympa, là. Oui, ben, on avait prévu le coup. Bon, on s'est dit, pourvu que ça marche. Bon, très bien. À 7 secondes avant que ça s'arrête, voilà. On va placer la blague. C'est ça. Vous faites tout. Quoi. Ben, allez-y. Non. Il est convenu qu'à cette heure-là, maintenant, vous avez la parole. Ah non, mais par contre, lancez le truc final. Permettez-moi de conclure avec une phrase finale. Concluez. Je pensais que vous vouliez échanger avec la salle. Oui, on va échanger, mais il faut quand même conclure pour que ça soit joli. Allez-y. Ah non, mais allez-y, posez-moi une question. Dites-moi n'importe quoi. Quel est le prochain livre? Ben voilà, ça c'est une bonne question. Eh ben, c'est ultra secret. Ça, non, je ne peux vraiment pas vous le dire.
Attends, je vais vous dire un petit truc quand même, parce qu'il faut... ça va être beaucoup moins bien que celui-là. C'est le dernier qui était bien. Non, non. Pour quelqu'un qui tire un million d'exemplaires. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'au moment... Si, je vais vous dire un truc. Au moment où j'en suis à ce stade de la création du livre, en fait, le livre ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire, on croit que nous, les écrivains, on allie une phrase superbe avec une autre phrase superbe, ça fait un chapitre superbe, ça donne un livre superbe. Pas du tout. Moi, j'ai une phrase pourrie avec une autre phrase pourrie, ça donne un chapitre pourri. Et après, ça donne un manuscrit pourri qui me sert de base, dans lequel rien ne fonctionne, tout est incohérent, les personnages ne sont pas crédibles et tout. Mais c'est une sorte de base, j'appelle A, la version A. Et là, je fais la version B en jetant cette version. Et juste sur la mémoire de tout ce qui va être intéressant dans la version A, je fais la version B. Et par exemple, Demain les chats, c'est une version L. C'est-à-dire que j'ai fait une vingtaine de romans avant de tomber sur la formule qui fonctionne. Par contre, je donne ça au cas, il y en a qui veulent être écrivains, c'est une manière de travailler. C'est-à-dire que, par contre, je ne fais pas de copier-coller des anciennes versions, je ne récupère pas des morceaux. C'est que ma mémoire qui va décanter, et j'ai très peu de mémoire, et qui va oublier tout ce qui ne fonctionne pas. Donc là, le roman, c'est pour ça que je vous disais, il est déjà moins bien que celui-là, dans la mesure où, pour l'instant, c'est un truc informe, où je ne vois que les erreurs, les incohérences. Mais c'est un peu comme le mastermind, c'est, vous avez tout faux, et plus vous avez le truc faux, plus vous déduisez ce qui peut être le truc juste. C'est une manière de travailler. Je pense qu'il y a d'autres romanciers qui font la phrase superbe, plus d'autres phrases superbes, plus le chapitre parfait et le roman qui a le prix Goncourt. Mais moi, ce n'est pas mon cas et je n'ai pas le prix Goncourt, c'est très bien. Et, c'est beaucoup mieux. Oui, oui, ben, j'ai la régularité, j'ai les lecteurs. J'ai une amie qui a eu le prix Goncourt, elle n'a pas compris au livre suivant, elle n'avait plus de lecteurs. Et je lui ai dit, c'est le problème des prix, c'est que ça truque le système, ça focalise le système et du coup, après, il chute. L'idée, ben, c'est vous parliez tout à l'heure de La Fontaine, c'est le lièvre et la tortue. Mieux vaut être régulier et tenir longtemps que faire des sprints spectaculaires et puis s'effondrer après. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de prix Goncourt qui sont dépressifs ou qui ne vont pas bien. Et chaque fois, je me dis, on ne les a pas avertis. Mais donc, l'idéal, c'est d'être régulier et de l'imagination, quelque chose qui se travaille. Et moi, je rêverais de pouvoir expliquer un peu plus ma manière de fonctionner afin que d'autres qui ont peut-être envie d'écrire des livres aussi comprennent le mécanisme. Mais c'est un vrai métier et ce métier ne peut fonctionner que par la régularité. On ne peut pas d'un coup faire en 2-3 mois une sorte de chef-d'œuvre et puis disparaître. Ou alors on est amateur. Mais les grands écrivains moi, que j'aime, comme Frédéric Dard, était un type qui m'a donné l'idée de 4h30 tous les matins. Frédéric Dard, c'est celui qui a fait San Antonio, et pour moi, c'est un grand écrivain. Rabelais, Jules Verne, tous les vrais, c'était des gens qui étaient réguliers. Et je crois à ça, la régularité. On a souvent l'impression que les artistes sont des gens qui sont touchés par la grâce. Moi, je crois qu'il faut surtout ne pas s'arrêter et construire une œuvre. Et pour construire une œuvre, ça veut dire qu'il faut tout le temps explorer, chercher des trucs nouveaux, essayer de se surpasser et avoir l'envie d'aller très très loin pour surprendre et satisfaire les lecteurs. Ça, c'est très important ce que vous venez de dire là. Je trouve qu'on touche au cœur de votre machine à créer. Alors, bon, on a dit qu'on donnait la parole à la salle pour des questions. Alors, je ne sais pas s'il y aura la lumière ou si on verra les mains qui se lèvent. Si. Entre-temps, la première question se prépare. Alors, c'est 5 minutes de générique, parce qu'il y a des droits de la SACEM envers le musicien, je pense. Et puis il doit partir en vacances, il a une traite à payer, donc il ne pourra toucher que s'il y a les 5 minutes au complet. C'est la vie des artistes. Voilà. Merci de votre patience. Quelqu'un lève la main.